15 000, c'est le tonnage que produira l'usine de transformation de la noix de cajou implantée par la structure saoudienne Sayed par an à Boundiali. Notre objectif dans les années à venir, dans les 5 ans à venir, est de créer, notamment, n'est-ce pas, de l'emploi. Les jeunes gens, les jeunes filles, on les équipe. Une infrastructure qui va garantir des emplois aux jeunes. 6 000 emplois directs et près de 10 000 emplois indirects seront en effet créés grâce à cette usine. Créer un investi en Côte d'Ivoire pour créer dans la vandalité, pour créer des emplois pour nos jeunes et nos femmes. Parce que nous avons une jeunesse dynamique, nous avons maintenant également à votre disposition une nouvelle boule de qualité. Je voudrais, pour terminer, souhaiter plein succès au groupe Sayed, ici, à Boundiali. Je vous remercie. Certains présidents d'institutions ont exprimé leur joie suite à l'implantation de cette usine dans leur localité. Vraiment, c'était la joie. Parce que nous trouvons que les énormes problèmes que nous on avait, en voyant cette structure aujourd'hui qui est venue vraiment s'installer, je pense qu'il y a une partie de nos problèmes qui seraient résolus en ce moment. Avec cette nouvelle ouverture, le nombre d'usines de transformation de cajou est passé de 7 en 2018 à plus de 35 usines en 2024.